Ah, et puis Austin Tingman. Coup d'envoi dans quelques instants. Ouh, Laurence, il est monté Oui, très haut. très très haut. Lui qui a fait une petite coupure en Israël en passé avec des statistiques dans ses habitudes. Alors, on va découvrir ce nouveau joueur, hein, vous-même supporter du PB 86. Oui, oh, il va vite, Joël Lautier. Il avait réussi à se faufiler oui. sous la raquette. Pas trouvé une solution de tir, il a été obligé de passer. Alors du côté d'Evreux, hein, un nouveau visage hein, depuis pas longtemps parce que Mateusz Dziemba, c'est un joueur polonais qui est arrivé il y a 3-4 rencontres seulement à Évreux. Évreux qui sort d'une petite défaite, on le disait, face à Aix-Maurienne. Jean-Philippe Daly à 3 points. Et c'est la rigole, c'est-à-dire que le ballon a tourné dans l'arceau et ressorti. Le shoot était bon, il était bien calibré, il était dans la bonne distance. Ouais, petite incompréhension là, sur l'écran. Allez, Jean-Philippe Daly pour finir sur la layup. Ouais, tout en finesse, lui qui avait des petits problèmes de dos, il a manqué à ses coéquipiers ces derniers temps. Et là, sur cet envolé, on a envie de dire que c'est derrière lui, hein, les problèmes de lombaire. 2-0, c'est lui qui offre le premier panier de la rencontre. Alors voilà, là. Ouh, la passe très haute. Oui, ça va être compliqué de ressortir tout ça. Attention à l'horloge des 24. Amadou Sidibé, deuxième meilleur rebondeur hein, toujours du championnat. Oui. Qui se saisit du rebond défensif. Donc Poitiers, oui, que Évreux se méfie. Ils ont beau être solides à domicile. Poitiers est face au mur. Ils ont pour impératif de remporter cette victoire, comme d'en remporter d'autres bien sûr, pour essayer de se sauver dans la division. Un petit manque de conviction dans ce drive de Mateusz Dziemba. Ouais, il cherchait un coéquipier mais qui ouais. N'était pas là. Il était un peu entre les deux, entre je vais finir et je vais passer. C'était ni l'un ni l'autre. Aki Williams qui connaît si bien la division. Un bel effectif Poitiers, hein. C'est très étonnant que la mayonnaise n'ait pas pris. Ouais, c'est bien défendu hein, sur le poste bas. Attention, il va falloir déclencher pour Dwayne Lautier. Ouais, c'est un peu long tout ça. Ah mais c'était bien joué de la part de Dwayne Lautier. Ouais. Ah, alors c'est annoncé au-delà des 24 secondes pour. Ça a touché l'arceau, Antoine. Oui, oui, oui. Il me semble. Du rebond offensif. Mais après, ils ont loupé, par contre. Oui, mais je pense que le ballon va être redonné à Poitiers. Ouais. Dwayne Lautier m'a agréablement surpris parce qu'il restait très peu de temps, Antoine. Il a réussi à se faufiler, donner un très bon ballon à son coéquipier qui a pu tenter. Oui, mais il restait plus beaucoup de temps sur la possession. Il aurait peut-être essayé plus simple de trouver une petite finition. Alors on rappelle qu'un Kiss Omer Omuera, pardon si je l'écorche un petit peu son nom, remplace Jamar Abrams qui risque de pas rejouer de la saison. Oh, le gros 3 points. Ouais. C'était pas simple non plus. La présence oh de Kevin Mendy au gros rebond offensif hein, de Kevin Mendy. Oh là, les finitions, les petites finitions, ça veut pas tourner en faveur de Poitiers pour l'instant. Larges épaules de Dylan Afomama. Ouais, qui avait l'avantage physique sur Dwayne Lautier. Qui a été bien trouvé par son coéquipier Jean-Philippe Daly après un bon défensif d'Amadou Sidibé. En tout cas, Kevin Mendy qui avait pris un gros bon offensif sur l'action précédente. Oui, ça fait déjà 2-3 hein, pour ouais. Kevin Mendy. Dommage qu'il n'ait pas porté ses fruits derrière. Hakim Williams dans les yeux face à Austin Tingman. Un peu court. Pas simple comme tir. 4-0 pour le moment après 3 minutes de jeu. Peu de scoring pour le moment. Dylan Afomama à 3 points. Un petit peu de maladresse. Oh Laurence, oui. Il a été sans palais. Ouais, ouais. Bien droit, Mateusz Dziemba. Ouais, sur la transition. Transféré correctement à l'opposé. Voilà, Jean-Philippe Daly bien ça, seul dans bien. Le corner. Ça, ça c'est 7-0. Voilà. Ouais. Temps mort, forcément. Coach Santon, forcément, il va pas laisser. Ouais, on l'a pas précisé, hein, les deux équipes. On pense bien sûr à Andrew Santon Jones, qui est le coach oui. de Poitiers. Il y a eu aussi sur le siège de l'entraîneur pas mal de choses qui se sont passées hein, du côté de la Vienne. Du côté d'Evreux, il était arrivé en cours de saison l'an passé. On pense à Nino Aselic, qui a dû avoir sous ses ordres d'ailleurs Laurence. Et Perguin du temps de Nantes, de parce Nantes. Qu'il avait fait, il n'avait pas fini la saison d'ailleurs, je crois, Nino Aseric, après une série de mauvais résultats.
On rappelle aussi qu'Evreux avait très mal démarré la division et avait su se ressaisir et puis à domicile devenir intraitable. Evreux, c'est 12 victoires, 10 défaites. 8e au classement, je vous l'ai dit. À domicile, 8 victoires, 3 défaites. Et à l'extérieur, 7 défaites par contre et 4 victoires. Elle voyage moins bien, Evreux, clairement. Et Poitiers, ben, 4 victoires, 17 défaites. Et dans ces 3 victoires, dans ces 4 victoires, il y en a 3 à domicile, Antoine. Avec l'une d'ailleurs, c'était il y a 2 journées, face à Lille, 80-75, alors qu'elle sortait d'une série de 10 défaites. Donc il était important de casser cette spirale. C'était il y a 2 matchs, voilà, face à Lille. Donc Poitiers se rappelle au bon souvenir de la victoire. Elle est capable, oui, tout à fait, même si, par contre, dans le match suivant, c'était la dernière journée. Face à Quimper, il y a eu un non-match, hein, puisque oui. 49 unités, je crois, à domicile. Voilà, une grosse panne au pourcentage. Et c'est un petit peu le cas, hein, dans ce début de rencontre. C'est quand même 3 minutes 30, ils ont trouvé des tirs, hein, l'équipe de Poitiers, il n'y a pas de souci, mais la réussite, elle n'est pas là pour l'instant. Alors, ce qui est très étonnant que j'avais noté sur la feuille de match, Antoine, et on le voit là dans le jeu. Ouais, là, on va s'enfermer, on joue un peu petit. Hein. On donne pas beaucoup de solutions de passe, hein, sur le drive de Dwayne Lautier. De Dwayne Lautier. Oui, je voulais dire, Antoine, Dwayne Lautier, Hakim Williams, Mathis Keita et Mbaye, ce sont des meneurs. Et en fait, il y a presque, j'ai la sensation, un mauvais équilibrage, si je peux me permettre. Hein. Je ne critique en rien qui que ce soit ni personne. J'ai juste été très surpris, en fait, que sur le poste 1-2, en fait, ils sont 4 à avoir des qualités suffisantes pour avoir beaucoup de temps de jeu, Antoine. Oui, ah bah ça, l'équilibre de l'équipe, de l'effectif. Oh, dommage pour le Polonais. Il avait fait le plus dur. Le ballon est ressorti, 7-0 toujours. Oh là là, bah oui. On s'est expérié, sur la transition. La connexion britannique était établie. Oui, il voilà. A bénéficié de l'avantage de taille. Et puis une belle vision de jeu de Hakim Williams. Son meneur et coéquipier qui l'a bien servi. Et Poitiers qui marque enfin un panier. Il aime bien ça, Laurent Stegman. Ça, c'est sa spéciale. Le pick and roll dans l'axe, Austin Tigman, Amadou Sidibé. C'est le grand classique pour Evreux. Mathis Keita, qu'on est content de retrouver du côté d'Evreux, qui avait laissé un bon souvenir. Oui, une fantastique saison. Oh là, Kevin Mendy. Il a 3 points un peu court. Austin Tigman sur la première intention. C'était un peu cafouillage là. Ouais, mais il a eu un bon réflexe en Philippe Bailly de faire rebondir le ballon. 9-2 toujours. Pas simple, mais il restait pas beaucoup de temps sur la possession pour Austin Tigman. Bah, il lui en faut pas beaucoup de temps de toute façon. Ouais, c'est un 3 points cloche et clutch presque. Attention, 12-2. Toujours pas trouvé la mire pour cette équipe de Poitiers. Ouais, petite faute de la Mimine qui traînait de Dylan Afomama. Bien vu monsieur l'arbitre. Ah, première faute du match, hein, c'est pas beaucoup d'agressivité pour l'instant dans cette rencontre. Oui, au fait, Antoine, est-ce que c'est pas aussi un ingrédient important pour essayer de bouger l'adversaire? Alors Evreux botte à domicile quelque part, elle n'a pas forcément à s'inquiéter, mais Poitiers dans la démarche. C'est un match très propre, ça, pas de souci, mais bon, ça peut aussi témoigner d'un manque d'agressivité, comme on peut voir là sur Mathis Keita qui prend pas au final de drive. Mbaye, tiens, qui est rentré. Ouh, pareil. Il fait beaucoup de bien, ouais, celui-là. Ouais, à la sonnerie, ami supporter, poids de vin. Il l'a bien senti. Mais joueur expérimenté, il avait regardé le chrono. Il savait qu'il fallait shooter et dégainer. Et avec réussite, bien joué à lui. Alors, on verrouille pas correctement ce rebond du côté de Poitiers. Un peu trop facile, il est venu volleyer un peu trop facilement ce ballon, Dylan Afomama. On ne fait pas les écrans en retard. Mathis Keita qui est aussi un bon défenseur. On oublie trop souvent qu'il n'a pas bien sûr de peser en attaque, mais un bon défenseur et il a en plus une envergure qui lui permet de. Oui, ça c'est bien fait, ça va être accordé, ouais, bien sûr. Il n'a pas dribblé après. C'est bien suivi par le corps arbitral. Ouais, il a bien fait, hein, d'aller au bout de son action. Jean-Philippe Daly qui est saignant, hein, depuis le début de la rencontre, Antoine. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est déjà 7 points. Ouais, ça n'a pas encore été comptabilisé d'ailleurs. Non. Le temps d'ajuster les fautes, c'est le faire cas. Les changements avec la rentrée de Soria Bongoura. Qui a porté lui aussi la tunique amicaliste. Sortie de Kevin Mendy. Hein.
c'est peut-être pour le protéger sur le nombre de fautes. Non, là pour l'instant ça va, on n'est pas parti dans des autres sphères. Non, parce qu'on a, du sifflet. Pour tout vous dire, on a assisté à une rencontre il y a quelques semaines où ça a fini à 47 fautes. C'était compliqué, les arrêts de jeu étaient multiples. Alors nous, ça a fait durer le match, on n'était pas malheureux. Mais c'est vrai qu'on a eu peur à un moment donné que les joueurs finissent à 4 contre 4. Hein. 15-4, 3-40 à jouer dans ce premier carton. Évreux qui a pris pour l'instant la mesure de son adversaire. On rappelle, très solide à domicile, hein, Évreux. Déplaise aux supporters. Et attention au chrono. Voilà, il n'a pas le choix, Omoera. Et ben voilà. Et quand même bail à la sonnerie. Ouais. Et c'est 3 points. Gong. Et face à Matheus Diemba. Bien joué à lui. Et c'est son premier panier, hein, du coup, dans la division, Antoine. Jean-Philippe Dalli pour lui rendre. Jean-Philippe Dalli, il est injouable sur ce premier carton. Ouais, 11 points déjà pour lui. Ouh là là, 11 points. Ouais, et qui permet de garder l'écart des 10 points. Ouais, 2 points si ça rentre. Il avait le pied sur la ligne. Attention derrière toi, très cher Austin Tigman. Mbaye qui, comme un filou, a tenté de lui chipper le ballon. 2-30 à jouer dans ce premier quart. 18-7, c'est vrai, très peu de fautes. Match plaisant. Ouh là là, Austin Tigman, ouais. Sur appui, double appui. Ouais. Je m'arrête, je repars. C'est clinique, hein, cette relation poste 1, poste 5. Eux qui n'ont pas démarré la saison ensemble, on rappelle qu'Austin Tigman est arrivé après quelques rencontres du championnat et en fait ils se sont bien trouvés. Évreux qui est bien dans les duels, qui tient bien tous les duels défensifs. Oui, une petite poussette de Jean-Philippe Dalli. Qui n'a pas échappé à l'arbitre sur Ekperigin, je crois. Sortie de Laurence Ekperigin, rentrée de Jim Seymour. Et le Fabien Pachal et Yandan Zamora qui vont rentrer, le capitaine hébroïcien qui a quelque peu loupé sa rencontre face à Ex-Maurienne, lui qui est capable de tant de coups d'éclat et qui finit 1 sur 8 tard. Derrière l'arc là, c'est carrément 4 joueurs qu'on change, 3 joueurs Antoine, hein, du côté des Breux. Rentrée de Dimitri Radnic également. C'est Moore qui est rentré du côté de Poitiers. Voilà, Fabien Pachal, Jean-Philippe Dalli, Yandan Zamora, Austin Tillman et Dimitri Radnic. 27 pour l'instant, 2 minutes encore, 3 points de Matisse Keita. Oh là, c'était savonneux le ballon et surtout Évreux qui pêche toujours un petit peu sur son rebond défensif. Matisse Keita qui reprend, pourquoi pas. Bah ouais, voilà. Les gars, j'ai loupé le premier, vous me redonnez une munition, je vais vous faire honneur. Et 3 pour Matisse, 20-10. Ouais, mésentente sur les deux entrants du côté d'Évreux. Un peu de jeu rapide pour Dwayne Lautier qui se rate. 20-10, toujours. Allez, on a changé hein, sur l'écran. Bien joué, Soria Bangoura, sur un pied, il se retourne. L'avantage de taille. Allez, ça va un peu mieux pour Poitiers. 20-12 pour Évreux, on est revenu un peu. Ouais. Oh, il va être accordé le panier de Yandan Zamora. Il y a eu un petit cri en même temps hein, pour essayer d'influencer un peu l'arbitre. C'est bien passé. Il s'étonne, Abdoulaye Mbaye. Ouais, il a bien été la chercher, on va dire. Yandan Zamora. On a pensé qu'il aurait pu prendre, il avait une position en shoot extérieur et il a voulu attaquer l'arceau. Oui. C'est vrai que quand on est sur 1 sur 8 dans la semaine, c'était mardi. Cette défaite un peu cruelle hein, pour Évreux qui a en même temps recouru après le score mais qui menait de 5 unités à 1/15 du terme de la rencontre. Et malheureusement qui a un peu balbutié son basket en attaque. Anthony Da Silva qui est rentré. Dernière minute, cauchemar on va dire. Ouais. Allez, toujours cette presse hein, qu'on a déjà vue régulièrement du côté d'Évreux. 23-12, 40 secondes à jouer. Et zone derrière, voilà. Petite zone 2-3 derrière la zone presse. Voilà, sur le tir, bien joué Abdoulaye Mbaye.
touché le poignet. Et là, on lui rend ce qu'il avait donné, c'est-à-dire ouais. un panier converti et va se retrouver sur un des lancers francs. Je me rappelle avoir commenté, moi, Andrew Thornton Jones. Je me demande bien si. Alors, je suis un peu gêné, j'ai pas vérifié le CV, s'il a pas joué justement du côté de Poitiers. Un ancien joueur. 23-14, c'est le score. 34 secondes à jouer. Ça peut potentiellement leur laisser, bien sûr, une munition. Et il le convertit. Bien joué, Abdoulaye. Moins 8. Il y a un duel de costaud entre Fabien Pachal et Jim Seymour. Ah, il a une belle patte gauche, le ouais. Fabien Pachal. Hein. Ça, on sait, le petit hook, il peut ouais. faire à droite comme à gauche. Ouais, et il peut le faire à beaucoup de joueurs adverses. Allez, toujours cette défense de zone du côté d'Evreux. Oui, ça c'est bien joué. On a bien attendu. Bien temporisé, Abdoulaye Mbaye. Oui, il a eu une très belle lecture de jeu pour servir le jeune Seymour. Ouais. C'est bien, bien senti et du coup il n'y a que 8 points alors qu'il y a bien dû avoir 12 ou 11 hein, de différentiel à un moment donné, Antoine. Oui moins 11 pour Poitiers, mais voilà, ils ont limité la casse, on va dire. Ouais, sous les on a eu du mal à démarrer hein, ouais. offensivement du côté de Poitiers, on a raté quelques petites finitions, mais là ça va mieux au niveau du scoring. Alors Tigman 7 points, Zamora 3, Afomama 2, Fabien Pachal 2 points et Jean-Philippe Davly meilleur marqueur du match avec 11 points. Du côté de Poitiers, Omoera 3 points, Mbaye 5, Seymour 2, Bangoura 2, Keita 3, Laurent Sekterguin 2 points. 6 joueurs ont marqué des paniers du côté de Poitiers, 5 du côté d'Evreux. Et pour l'instant, ça nous offre un match plutôt offensif, en tout cas pour l'équipe locale qui, on rappelle, a perdu Yunio Barueta qui est dans la salle, hein, qui est sur le banc de touche en civil. Lui, l'un des plus beaux shooters hein, de la division et même qu'on ait vu depuis très longtemps, je crois, dans le basket. De Lille et de Fos, Antoine, ça dit quoi ? Ah, on n'est pas là-dessus. Ah, on n'est pas là-dessus. On essaie d'avoir toutes les statistiques. On est à peu près équivalent hein, sur les stats au rebond entre Évreux et Poitiers. On essaie de trouver là où ça pêche et c'est effectivement sur ce pourcentage de réussite hein, du côté Poitvin qu'il va falloir régler un peu. Il n'y a pas de changement sur le terrain. On a gardé les 2-5 qui ont terminé le premier quart-temps. Lille est repassé devant, Antoine. 61-57. Hein. Sûrement à la faveur d'un troisième gros carton. Puisqu'il y avait moins 8. Oui. Ils sont passés devant. Ah, Mathis, c'est pas tranquille. Il n'est pas venu fermer la ligne de fond, hein, comme on dit. Ouais, et dommage pour lui parce qu'il il avait l'avantage de taille sur Dimitri Ranić. Il lui a provoqué une faute. Il aurait pu ramener son équipe encore plus près, mais il a deux shoots au lancer franc. Lui qui tourne à 70% au lancer franc, Antoine. Mathis Keita, depuis qu'il est arrivé à Poitiers en cours de saison, on rappelle. Au niveau des passes décisives, 7 pour Evreux dans le premier carton, 5 pour Poitiers. Au niveau des rebonds, 8 prises pour Evreux, 9 pour Poitiers qui est devant. Et puis. Les deux lancers francs sont convertis hein, par Mathis Keita. Ouais. 25-19. Très jeune, hein, 5 pour Evreux avec. Ouh, bien joué. Bien trouvé. Oh, ça, c'est bien fait. Dimitri Ranić. Ou Anthony Da Silva qui a fait son filou à la Dimitri Ranić. L'un et l'autre sont des sensus en défense, capables d'intercepter beaucoup de ballons. On rappelle qu'Anthony Da Silva nous avait gratifié d'une belle rencontre, lui, qui malheureusement est sur courant alternatif, mais qui, en l'espace de 15 minutes, il y a un petit mois, nous avait offert 8 passes décisives, je crois. Oui, et puis des vraies passes décisives, ah ouais, bien visibles. Au-dessus de l'épaule, voilà, voilà. De l'aveugle, il y en avait de belles. Anthony Da Silva face à Mathis Keita, belle rencontre. En tout cas, beau petit panier Fabien Pachal qui est venu planter un dunk. Hein. Oh là ouais. là, Mathis. Ah, il a bien pris de la vitesse. Ouais. La solution en ce moment du côté de Poitiers, c'est Mathis Keita. Ouais. Et il a croqué Anthony et du coup, il se retrouve encore sur la ligne des lancers après avoir mis un panier. Ouais. On n'est pas venu fermer. Hein. On a laissé Anthony Da Silva tout seul dans le duel. Ah, Mathis Keita, ça a été une très belle recrue hein, pour Poitiers. Il est redescendu de JP Elite où il avait démarré la saison hein, du côté de Gravelines, Antoine. Je ne suis plus très sûr. Oui, oui. Et voilà un joueur qui, franchement...
et dans, plus que dans la moyenne, il pourrait exceller dans cette division, peut-être un peu juste en Jeep Elite. En attendant, un très beau joueur de basket que ce Matisse Keita. Sympa en plus, par ailleurs, pour l'avoir interviewé à l'époque sous les couleurs hébroïciennes. Intéressant comme tout et agréable. Ouais, on veut chercher coûte que coûte Fabien Pachal à l'intérieur, mais c'était bien défendu hein, de Jim Seymour. Ouais, pas manqué grand chose. Je n'ai pas vu la faute, mais ils étaient mieux placés que nous, les arbitres. Mais c'est vrai que. Ah oui, ça bataille. Hein, ouais. Le duel, il est là en ce moment sur le terrain. C'est un duel Jim Seymour-Fabien Pachal. Ils sont venus à 5 unités au fait. Hein, oui, oui. Poitiers. Ah, il a l'avantage. Oui, de il taille. A contré. Il ouais. a contré Fabien Pachal. Il n'y avait pas faute. Non, 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 Fabien. Jim a fait ça propre. Il ne peut pas prendre le tir, Jim Seymour. Ouais, il a fait le taf en défense. Hein. Voilà, c'est pas possible de ne pas fermer la ligne comme ça. Voilà, ça pour un entraîneur. Porte ouverte derrière. C'est pas possible. Porte ça ouverte. Fait deux lay-ups, c'est pas possible. Porte ouverte derrière. Bien transféré, l'extra passe pour Dylan Afomama. Radnich, voilà, 3 points. La patte gauche. Ouais. On rappelle, hein, lui qui démarre sa carrière professionnelle, qui avait très solide statistique, j'ai du mal à le dire en espoir, qui démarre son aventure professionnelle du côté d'Evreux, Dimitri Radnich. Une bonne pêche hein, pour la LM Basket par ailleurs, parce qu'un joueur très intéressant, avec beaucoup d'envie et des qualités. Qui a ramené de la qualité défensive hein, sur les duels du côté d'Evreux, qui était un peu en délicatesse. Dijon, hein, c'était ça en espoir, Antoine. De Radnich ? Oui. Oui. Et franchement, je crois qu'il était capitaine de son équipe, l'un des meilleurs marqueurs de la division en espoir. Oui, et il confirme en pro. Hein. Deuxième évaluation, si mes souvenirs sont bons, du championnat. 30-24, ballon dans les mains de Matisse Keita, qui fait la pluie et le beau temps depuis tout à l'heure. D'ailleurs, ouais. Anthony Da Silva étant remplacé par Austin Tingman, ça n'a pas plu à coach Aceric. Et Jean-Philippe Daly aussi qui est revenu sur le parquet. Alors, est-ce qu'on va venir frapper ? Non. Ballon dans le duel. Oh, pas facile ce tir de d'Abdoulaye Mbaye. Il n'avait plus le choix par rapport au chrono des 24 secondes. Dimitri Ranić sur transition. Dommage pour lui. Ouais. Bien pour Poitiers. 30-24 toujours. Ouh, ça va vite ! Allez, repli Fabien Pachal, pourquoi tu n'essayes pas de mettre la limine ? Fabien Pachal, Douane Lautier, tu fais 40 cm de plus ! Tends le bras, tu lui évites le panier. Moins 4. On rappelle qu'il y a eu un moins 11. Petit à petit, Poitiers qui refait son déficit. Ah, ça va dégainer, je vous le dis tout de suite. Ouais. Attention au chrono des 24. Allez, c'est compliqué pour Yordan Zamora. Une petite touchette sur la main hein, derrière. Oh, la petite claquette de Austin Tingman avec beaucoup de réussite. Hein. On ne sait pas si c'est volontaire. Ouais, en attendant, il était bien ouais, placé. Du bout des doigts. Et dommage pour Poitiers. C'était entre le rebond et la claquette. Oui, grave. Lui qui a peut-être les meilleures statistiques au rebond, je ne l'ai pas vérifié en point meneur. Puisque, parce qu'il est, il a combien de rebonds ouais, il est à plus de 4. Mbaye qui provoque beaucoup. Dimitri ouais. Radnić, deuxième faute, je crois, personnelle. Oui, oui, mais à venir. On a découvert beaucoup plus d'agressivité depuis ce deuxième quart-temps tout du côté fait. De Poitiers. On est plus incisif dans le duel. Oui, on avait le sentiment que sur la première, le premier quart-temps, il n'y avait pas énormément d'énergie déployée en défense. Là, c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, c'est déjà la quatrième faute d'équipe hein, pour Evreux. Donc la prochaine, ce sera deux lancers francs pour Poitiers. Il va falloir tenir. Plus de 6 minutes, hein, ouais, presque 7 hein, du côté d'Evreux. Bah, voilà. C'est propre ça. Ouais. Là, on s'est éteint un peu hein, défensivement du côté d'Evreux. On en profite, on sanctionne. Ah, c'est propre Mbaye et Matisse Keita là pour l'instant. C'est. Ouais, ça manque de mouvement hein, du côté d'Evreux. Moins de fluidité. C'est défendu plus fort. Voilà, eh Matisse Keita, démonstration. Ouais, ouais, il en a fait un peu trop, Austin. Ouais. Oh, dommage. Au lieu de faire la passe à terre. Allez, celui-là, il est bien vu pour Evreux. Et c'est très bien joué parce que Dimitri Radnić, il a le sang-froid. Il y avait une contre-attaque forte, hein, 3 contre 1 pour Poitiers. Il se saisit du ballon, contre-attaque. Et au lieu de la jouer perso, voilà, avec beaucoup de justesse, sert. Fabien Pachal et regardez encore l'interception de Dimitri Radnić, il est partout, il est partout. Alors il vient de demander le changement en plus. Allez, larges épaules toujours de Il est partout Dimitri Radnić. Le regard, voilà, ça chambre un petit peu.
Dimitri Ranić, il est partout. Alors si vous suivez la rencontre de l'ALM Basket à domicile, on l'a déjà dit, il jouerait 40 minutes. Je me suis avancé, j'en ai sûrement rajouté, il y avait du too much size. Mais je dis 40 minutes, 40 interceptions, moi, Dimitri Ranić. Ah ouais, carrément. Là, mais là, il a demandé changement, alors on le verra pas 40 minutes. Non. Il avait des petits, petits gènes aux ischios il y a quelques semaines. Ouais, là, ça doit commencer à siffler. Ouais, ça siffle ou ça rougit. En tout cas, il a eu un passage positif sur le parquet. 36-28, Jean-Philippe Daly toujours avec 11 unités, mais il a été rejoint par Austin Tigman, voilà, de près de l'arceau qui a marqué des paniers. Du côté de Poitiers, le meilleur marqueur, et il y en a un seul au-dessus de 10 unités, mais c'est même précisément 10 points, c'est Mathis Keita. 36-28, il y a match, amis supporters, amis amateurs de la balle orange, 5-49 pour jouer dans ce deuxième carton. Attention, hein, du côté de Poitiers, pas prendre trop de points parce qu'il reste 5 minutes, presque 6 minutes. Evreux est déjà à 36 points marqués. Donc voilà, je voulais pas laisser le match trop s'emballer. Je voulais en parler tout à l'heure, Antoine, quand je parlais de Yuno Barueta qui n'était pas là. On ne l'a pas précisé, tu l'avais relevé à bon escient. Evreux qui a un petit peu modifié sa manière de jouer depuis que Yuno n'est plus là, depuis que ses 15, 16, 17 points ne sont plus possibles. Mathias Demba ne peut pas lui offrir autant en relais. Du coup, Evreux a pris un parti plus défensif. Oui, exactement, c'est un effort collectif, on tient mieux les duels du côté d'Evreux et les rotations sont meilleures. Voilà, ça encaisse moins de paniers. Exactement, on a renforcé ce secteur-là. Kevin Mendy qui est revenu sur le terrain, Kim Williams aussi. Oui. On a peu vu pour l'instant sur la première mi-temps, Antoine. Sur un pied. Higgins sur un pied. Normalement, il sait faire. Jean-Philippe Daly, gros rebond. Il a failli lui échapper. Lorenz Zamora qui remonte le ballon. La transition. Duel entre... Il est repoussé loin, Fabien Pachal. Ça va être compliqué. Ouais, Jean-Philippe Daly qui se présente au bon moment. Ouais, et puis qui est bien servi, qui est bien servi aussi par Austin Tigman. Qui en avait fait un peu trop tout à l'heure dans son dribble où Mathis avait pu lui chipper. Et là, il était étrangement seul sur la ligne des lancers francs, Austin Tigman. Quand vous êtes seul sur la ligne des lancers francs, vous pouvez distribuer. Allez, petit coup de zone du côté d'Evreux. Allez, on est encore un peu serré hein, du côté de Poitiers. Voilà, on n'est pas assez large sur cette zone. Allez, on récupère quand même le ballon du côté d'Hakim Williams. Allez, ça va échapper ce rebond à Laurence et Périguine. Il faut noter l'effort défensif de Fabien Pachal qui est sorti pour shooter, pour gêner le shoot d'Hakim Williams et qui du coup a permis peut-être de dérégler la mire. Lui, c'est quasi 207 cm si je ne m'abuse. 38-28, plus 10, Jean-Philippe Daly. Ouais, on va le rechercher, hein, forcément. Il est présent sur cette première mi-temps avec ses 13 points. Oh, le petit spin move hein, de Fabien Pachal. Incroyable ce joueur. Hein. Combien de qualité offensive, cette palette hein, qui l'incarne, parce qu'il en a des moves. Il connaît très bien le basket, Fabien Pachal, qui, pour d'autres, trouve que ça manque un petit peu de jump ou de physique, mais ce qui est sûr, c'est que... Oui, bah, Jean-Philippe Daly, il s'étonne Kevin Mendy, mais il faut continuer à défendre quand même. Hein. Ouais. Plus 12, plus gros écart, Antoine. Ouais. Il y avait 4 il y a 3 minutes. Hein. On doit être sur un 8-0. Ouais, ça manque de liant tout ça. On n'est pas assez large toujours. Le spacing n'est pas suffisant hein, du côté de Poitiers. Ouh, la belle passe. Oh, il est passé par Jean-Philippe Daly. Ouh là là, il y avait deux très belles choses. Oh, il y avait une très belle passe flash de Mathis Keita pour Périguine. Il monte, Jean-Philippe Daly, il dit non, tu montes pas. Il arrête le ballon. Le ballon revient dans les mains d'Ek Périguine. Et puis Périguine, j'en perds mon anglais, mon français, mon franglais. Vous dites comme vous voulez. Voilà. Et en fait, le ballon revient dans les mains Poitvine. Et c'est plus important. Et c'est mérité. Même si on a vu une très belle action de Jean-Philippe Daly. Mbaye, Keita, Mendy, Williams et Périguine. Et c'est Williams sur le côté. Alors là, manque de communication là, du côté d'Evreux. On savait pas qui devait sortir. Ouais, très beau shoot, très fluide, très belle gestuelle, très belle courbe. Et 3 points pour Hakim Williams. Jean-Philippe Daly, Radnic, Sidibé, Tigman et... voilà. On est pas venu se présenter, on l'a laissé un peu dans le bazar. Par contre là, ils sont 6 contre 2 là, en attaque défense. Ouais.
Allez, Hakim Williams. Ah, il est capable. Reculé, mais voilà, oui. Deux, mais oui. Deux fléchettes. Mais oui. Et voilà. Et oui. Et voilà, il y avait 12, il n'y a plus que 6. Et voilà, deux petites fléchettes à 3 points. Et puis, on revient. Ce sport est génial pour ça, Antoine. Ouais. C'est dingue comme on peut vite changer de courbe ou de dynamique. Voilà, il peut avoir une série d'un coup. Et puis une adverse. Cette discipline est magique pour cet aspect du jeu. Où il y a même dans un match moyen 45, 50, 50, 60 points. Voilà, et puis parfois il y a profusion de paniers, même si c'est pas toujours une bonne chose, parce que même si nous on aime bien quand ça a du score, bah, c'est bien aussi quand ça défend. Voilà, le basket c'est un match où bien sûr il faut marquer un panier de plus que son adversaire, mais un point, un ça point, suffit. Mais où la défense est quand même importante. Petit élément en basket aussi, c'est la blessure jusqu'à la fin de saison. Et moi j'aime beaucoup ce joueur-là, ça me fait un petit pas mal au cœur pardon, pour les Kempers, pour les béliers de Quimper qui perd David Jackson hein, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être leur joueur clé, même si joueur cadre, même si on rappelle qu'il est leader. Ouais, c'est ouais, le leader clairement, qui vient de perdre. Clairement. Et ça, c'est pas une bonne chose pour l'équipe de Laurent Foirest, même si. Je pense que coach Foirest va nous dégoter une petite pépite très certainement avec son staff du côté de Quimper. C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour les Bretons voilà, qui sont haut de la division et qui malheureusement se voient perdre leur leader. Et le ballon dans les mains d'Austin Tillman. Voilà, on n'a plus vu Antoine Zamora. Je ne sais même pas s'il a mis un panier. S'il a mis un panier. Un 2 plus 1, c'est vrai. On l'a pas vu même shooter à 3 points. Jean-Philippe Dali, on laisse shooter lui, c'est parce que. Ah là c'est ouais. C'est planche. Hein, il n'a pas la même réussite que le premier carton, toi, non ? C'était le joueur chaud de cette première mi-temps. Donc voilà, s'ils mettent encore à 3 points, c'est énorme. Il faut un troisième carton à 3 points, ils sont lourds Antoine. Ouais mais on avait signalé hein, qu'il avait manqué de l'adresse dans ce premier quart. Quand l'adresse revient, forcément. Et en plus, à longue distance, ça va donner de la place. Alors après, je vous à l'intérieur. Je vous annonce la couleur. Mathieu Ziemba, il est rentré, à mon avis, pour faire un travail sur Keita. Radnitch pour lui rendre. Voilà. Et voilà, ça c'est bien pour éteindre l'incendie du côté des Vreux. Les jaunes et bleus, les Broétiens, les amicalistes. Allez, chacun a sa séquence hein, dans ce match. Un coup Évreux, un coup Poitiers. On rappelle, hein, Il y a eu moins 4 au début du deuxième carton. Puis après moins 12 à 2 minutes. Puis Poitiers revenu qui a eu Mendy, Braoula à l'ancienne. Ouais. Il bouge un peu ses appuis. Abdoulaye, pas grand chose, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Et la spéciale de Yordan Zamora aussi de freiner son dribble pour repartir de plus belle. Ouais, il serait bien un petit peu gêné. Yordan Zamora. Ah c'est lui. Quelque part. Ouais. On l'a pas vu Antoine. Hein, oui. Et il gestion fait... des effectifs. Ouais, et c'est pas évident avec non. La répétition des matchs, bien les vu, déplacements. Bien sûr. Les corps sont mis à rude épreuve, on l'a pas dit, on l'a un peu précisé avec des matchs à répétition. Très rythmé cette fin de saison, un mois de mai plus que dense. Il n'a pas voulu le prendre en première intention Austin Tillman, c'était pas grave. Il voulait faire danser voilà. Un petit peu Mathis Keita. Il lui a rendu l'appareil, lui qui depuis tout à l'heure aussi est tout feu tout flamme, offensivement. 45-37, Kevin Mendy qui a l'avantage de taille pour est-ce qu'il va reprendre ce shoot là. Hakim Williams et Mathis Keita, ils sont chauds dans ce deuxième carton. Il va le prendre, hein. Et attention, à l'horloge des 24, il va falloir prendre un tir. Oh, c'est bien joué ça. Au buzzer pour Kevin Mendy. C'est dommage pour lui parce qu'il avait fait petit dribble dans le dos qui avait emmené tout le monde. Il était malin sur cette offensive. Austin Tillman qui prend sa responsabilité. Un peu bas, je trouvais, cette courbe. Shoot rapide pour Austin Tillman. 13 points pour le moment. Mathis Keita, Kevin Mendy, 47. Plus 8 pour Évreux. Kif Omoueroa qui est revenu sur le terrain. Et Dimitri Aranic qui colle. Si tout ça, ouais. Il va falloir monter, pas trop de choix pour Mathis Keita. Mais Mathis Keita, cette première mi-temps. Je vous le refais. C'est le meilleur marqueur du match. Ouais. Tout simplement, Mathis Keita, il connaît le parquet, il connaît les arceaux. Il a dit, les gars, je vais vous montrer c'est quoi. Il montre l'exemple, hein. Clairement. J'en rajoute, mais. Oh là là, le coquin de Jean-Philippe Dali.
après une planche à 3 points et un peu court sur ce shoot. Presque surpris de se retrouver un peu seul dans cette raquette, Jean-Philippe Daly. Pourquoi Mathis, tu l'as pas pris? Tu avais la position, tu sortais d'un shoot extérieur de qualité à Kim Williams en corner, elle en a mis un tout à l'heure. Oh là 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 là. Eh, eh, Antoine, 17 points. On peut mettre une croix dans le corner à gauche là-bas. Antoine, 17 points dans le premier carton, ils en sont à 26. On n'a pas du tout la même offensive du côté de Poitiers. Ah bah dès que le ballon circule un peu plus, dès qu'on trouve un peu de tir ouvert. Je vais vérifier, mais je crois qu'Hakim Williams était, et c'est le cas, il était à 0 points au premier carton. Ah bah là, il est c'est mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il a rentré 3 points dans ce second carton. Matisse Keita, il était lui à la fin du premier carton. Précision, il était à 3 points, il vient de mettre 13 points. Oui, à 3 sur 4 à 3 points pour Matisse Keita, 2 sur 3 pour Hakim Williams. Voilà, c'est là qu'on refait l'écart. On se passe pas le mot dans la défense ébrossienne. On laisse un joueur marquer 13 unités dans le carton. Oui, mais il y a eu des tirs pas simples hein, pour Poitiers qu'ils ont quand même rentré. Hein, le tête de raquette pour Matisse Keita, il fallait le mettre. Celui d'Hakim Williams, il fallait le mettre aussi. Donc, voilà. Et là, Évreux qui s'est un peu endormi. Cette équipe qui avait très bien démarré la rencontre. Ouais, hein. Qui s'est vue trop belle trop tôt. Trop beau trop tôt, pardon. Et pour l'instant, 25-17, ça c'était à la fin du premier carton, je vous le dis, 45-33, c'est tout de suite, c'est maintenant. Du côté de Fos-sur-Mer, qui est repassé devant Antoine, hein, 72-71 face à Lille. Chassé-croisé. Au couteau. Ouais, chassé-croisé. Hein. Austin Tigman, Jean-Philippe Daly, Amadou Sidibé, Mathieu Ziemba, Dimitri Ranić face à Jim Seymour, Hakim Williams, Matisse Keita, Omoyawa. Ça, c'était une possession pas évidente. Et Jean-Philippe Daly pour Évreux. Voilà les 10 athlètes sur le parquet. Ah, ça doit y jouer quand même, mine de rien, Antoine, lorsqu'un joueur a foulé un parquet et qui connaît très bien une salle. Je pense du coup, bien sûr, à Matisse Keita. Après, il l'a connu avec du public. Hein. Là, ouais, il y en a un peu moins. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il a connu une grosse saison, hein, puisque c'était l'équipe qui est allée jusqu'en finale de contre de le Portel, hein. Voilà, exactement. Équipe qui avec Burton, avec Joe Burton. Oh, Amadou Sidibé, on commentait même plus le match. En fait, Amadou Sidibé, il s'est dit, les gars, ça joue nous. Hein. C'est un aéroport. Filez-moi le ballon, tour de contrôle, je pivote de gauche, bam, 45 degrés. Jean qui a 3 points. Ah bah c'est surprenant. Hein. Lui, le deuxième rebondeur de la division, il colle un panier à 3 points la dernière seconde, Antoine. Oui, mais c'est quand même 40% de Williams, Kevin Mendy, Laurence Ekperiguine et Kif Omoera pardon, pour le nouveau joueur de Poitiers, le Canado-Nigérien. Voilà, qui a le ballon d'ailleurs, et face à Austin Tigman, sur un pied, pourquoi pas. Oui, on va peut-être prendre les deux la prochaine fois. Ouais, alors est-ce que Dylan va nous offrir une action de... Oula. Oui, petite glissade, pas de blessure. Oh, bonne défense de Jean-Philippe Daly parce que Ekperiguine, il n'a pas vu qu'il y avait Hakim Williams tout seul et Omoyawa sous le panier. C'est presque une faute intelligente, si je peux me permettre l'expression. Oui, il a coupé le jeu rapide. Le problème, c'est que c'est sa troisième faute hein, pour Jean-Philippe Daly. Ah mince. Pas sûr que ce soit une très bonne... Ouais, pour le coup, j'avais pas fait attention à cela. Austin Tigman, Daly, Sidibé, Afomama et Zamora. Zamora qui démarre la deuxième mi-temps, lui qui n'avait pas été starter, le capitaine ébroïcien. D'ailleurs, il y a Fabien Pacha qui est déjà sur la chaise et le strapontin pour rentrer sur le terrain. Ouais, elle était un peu compliquée cette passe pour Ekperiguine. On l'a un peu envoyé dans le bazar. Oh, les pauses d'appui de Jean-Philippe Daly. On reste 10 secondes, il va falloir déclencher. Ah, il a sauté, ne pas sauter Matisse Keita. Allez, ça, ouais. Il s'en sort bien. Ouais, parce que Stintikman, normalement, dans cette zone, il y va. Oh là là. Bravo, Hakim Williams, sur la vitesse, j'aime cette énergie. Ouais, sifflé, repris par la patrouille Laurence Ekperiguine. Ouais, par contre, très belle action défensive de Yordan Zamora qui a voulu récupérer le rebond et il s'en est saisi, il leur donne un coéquipier et en plus, il provoque une faute de Laurence Ekperiguine qu'on a peu vu hein, dans cette première mi-temps. Lui qui connaît si bien la division, un joueur solide avec des statistiques quasiment similaires d'une année à l'autre. Oui, et Poitiers, hein, pour empocher la victoire, elle aura bien besoin de
de ses statistiques, de son apport et en points et en rebond. Pas encore de panier marqué hein, dans cette deuxième mi-temps. 48-43. Le 8e face au 18e. Au départ, ce n'est pas. Ah, ça va dégainer. Allez, le petit flotteur pour Yernan Zamora, un peu long. Les bonnes mains de, d'Amadou Sidibé. La main gauche, toujours pas. Ouais, mais de grosses batailles au rebond offensif là pour Évreux. Ah, et on n'était pas revenu à. Et encore un troisième acquis au rebond offensif. Oh là, ça a été compliqué, ouais. Dylan Ofamama. Trop petit. Hein, pour Fabien Pacha. Cette possession. Oh, Yernan Zamora sur le compte. Oui, oh, il y avait une petite mimine hein, qui traînait sur la hanche. Ouais, j'allais dire peut-être le buste. Ouais, ouais. Oui, oui. Peut-être les deux. Peut-être les deux, bien vu. Et Hakim Williams, il a mis un coup de rein pour se frayer un chemin là. C'était impressionnant. J'ai noté, il mesure combien 1m84, plein d'énergie. Hein. Le Hakim, malgré ses 30 balais au compteur. Mais lui aussi connaît bien la division. Et c'est le premier point marqué dans cette seconde mi-temps pour Hakim Williams. 1 sur 2 au lancer franc. 8-11 à jouer dans ce troisième quart. Fait tourner le compteur du côté de Breu. On a envie d'insister hein, sur le post-up de Yernan Zamora. Il va falloir shooter. Et ça c'est bien trouvé. C'est toujours le problème hein, quand vous avez un avantage de taille. C'est des fois un peu téléphoné. Alors on insiste un peu trop longtemps. Heureusement, Amadou Sidibé il a donné une solution de passe. Tisqueta qui a été énorme hein, dans ce deuxième quart. Qui rattaque très bien. Ouh, il a une petite limite de la main. Oh là, Kevin Mendy, il met les mains. Tisqueta, il est partout. Oh là là, pas de chance. Pas de réussite. Ouais. De côté du terrain. Hein. Ouais, pas de chance pour lui parce que c'était bien joué. Allez, on va donner de la place sur le 1 contre 1 pour Stigman. Oh là là, Austin, c'était fort ce qu'il avait c'était fait. C'était compliqué, ouais, il s'en sort bien. Sa spéciale, il n'a pas peur des intérieurs adverses, hein. Il met les épaules. Il va provoquer une faute de Matis Keita ou Kevin Mendy. Matis Keita, sa première. Hein. Il est loin d'être dans l'inquiétude avec cet aspect du jeu. Je crois qu'il a le plus gros temps de jeu, hein, Matis Keita. Dans 27 minutes, maintenant je dis une bêtise. Parce que j'ai noté que c'est Laurence Ekperguin, pardon, qui avec 30 minutes de moyenne est le plus gros temps de jeu chez les Viennois. Lancé franc pour Austin Tillman. 2 sur 2. 52-44, 7 minutes à jouer. Il y a match. Perguin Pachal. C'est pas simple hein, comme tir pour Laurence Ekperguin. Ouais, c'est une possession mal embarquée. Hein. Oh, Hakim Williams, ça remet la vitesse. Oh, il est monté au. Kiss Omuera. Ouais, il a embrassé le panier. Me permet une petite phase. Oui, 52-46. C'est un peu tout fou, hein, ce début de deuxième mi-temps. Pas très structuré tout ça. On insiste pour Stintigman. Ouais, avec justesse. Ouais, il va falloir régler ce problème au Stintigman dans le 1 contre 1 du côté de Poitiers. 17 points déjà pour lui. Plus 8. Perguin pour Moera tout seul à 3 points pour son deuxième. Non, mais il suit le panier. Dommage pour lui. Il suit le shoot, pardon. Ah, il prend le match à son compte. Oui. Ah là, il va peut-être falloir trouver un peu de variété parce que ça va devenir. Ouh la belle passe. Perguin. Ouh la belle passe de Kiss, de Matis Keita pour. Laurence Ekperguin, deuxième panier de la rencontre pour lui. Moins 6 pour Poitiers. 5-25 à jouer.
n'a pas du tout vu Hernán Zamora à 3 points, Antoine. Oh, Fabien Pachal, pas de réussite, mais ont peut-être récupéré le ballon. Ah, moi aussi, j'aurais dit ça. Non, il ne discute pas, Mathieu Sidibé. Et puis l'arbitre était juste à côté. Ses yeux étaient bien plus proches que les nôtres. Alors, nous deux, on n'a pas l'habitude avec Antoine de commenter les décisions arbitrales. Mais on peut tout de même relever que c'est extrêmement propre pour le moment dans le choix des décisions. En même temps, les joueurs leur facilitent la tâche très certainement. Oui, le match est propre. La gestuelle de Kevin Mendy, c'est toujours étonnant. Mais il est capable. Oui, un peu de rythme dans ce match. Ouais, on n'a pas trouvé de solution sur la transition. Allez, le petit hook. Oh, oula. Oh, bah. Bonne prise de position, alors, ça s'appelle. Ça de... Là, j'ai loupé quelque chose. Ouais. Faute avant, ouais. Largement avant. J'ai loupé quelque chose sur la prise de position de Lorenz. Ouais, panier refusé, il a été sifflé au tout début de... La pénétration de Mathis Keita qui s'étonne, mais allez, retour au jeu de Dwayne Lottier. Hakim Williams, Dwayne Lottier, Laurence Perigine, Kevin Mendy, Mathis Keita, Dimitri Ranich, Fabien Pachal, Mathis Dibé, on pas bien le ballon à l'opposé. Heureusement qu'il est resté attentif, Dimitri Ranich. Il a des yeux près des oreilles, dans la nuque, sur le dessus du crâne, ce jeune joueur. Il a des yeux partout et des mains rapides et agiles. Un sacré intercepteur de ballon, ce jeune joueur. Allez, petit coup de zone sur la touche côté, du côté d'Evreux. 3 points peut-être. Oui, ouais. Oh, Hakim Williams, il continue. Ouais. Oh là, il est chaud. Il est sur sa série, Hakim Williams. Et la dernière fois qu'il était à 20 points, il y a eu victoire face à Lille. Hein. Hakim Williams, il en est à 13. Et il n'y a que 3 points en différentiel, Antoine. Ouais, ça, c'est bien trouvé à l'opposé pour Dimitri Ranić. Voilà. Oui, bien vu la lecture de jeu du capitaine Zamora ouais. Pour son jeune coéquipier. Quelque chose qui marche bien, ça. Redonner le ballon à Zamora pour créer. Allez, quatrième faute d'équipe pour Évreux. Alors, est-ce qu'on va donner les lancers francs ? Zamora première ou deuxième ? Pourquoi on donne les lancers francs ? On estimait qu'il était dans le tir. Oui, il m'a semblé que c'était avant. Oui. Tiens, tiens. Dwayne Lottier au lancer franc, c'est 66%, Antoine. En moyenne. Ça reste qu'une moyenne. Il est capable, bien sûr, et nous lui souhaitons de convertir les deux. Oh, sa gestuelle et son petit gimmick d'avant-shoot est rigolo. Il se tape sur le biceps droit. 1 sur 2. Ah, il n'a pas dû. Il l'avait fait sur son premier. C'est rigolo, chaque joueur a ses petites habitudes, ses petits gimmicks, comme on dit. Oui, ça c'est ce qu'on enseigne aux plus jeunes. Trouver une petite routine pour se concentrer. Oh, il fait sauter dans tous les sens. Ouais. C'est un peu court sur sa main gauche, mais Fabien Pachal. Laurence avait bien défendu. Abdoulaye, Mbaye qui vient de rentrer. Oh là là, mais voilà. À 3 points, ils sont bouillants les poids de vin. C'est feu d'artifice hein. Dans la salle Omnisport, il n'y a que 2 unités. Voilà. Et on insiste sur le jeu intérieur avec Fabien Pachal. Ouais, mais on lui donne pas de solution à Fabien Pachal. Ouais, voilà, on est tout collé. Il n'y a aucun spacing du côté d'Evreux. Bien joué, Mathis Keita. Forcément, Mathis Keita sanctionné sur le jeu rapide. Comme tout le monde est collé à la raquette, forcément, derrière, c'est pas facile de replier. Et ça donne des points faciles. Et voilà, égalité parfaite. Exactement. Partout. Il y a match. Il y a match, comme j'aime à le dire. Du côté des fautes, Antoine, il y a quand même 2 joueurs du côté d'Evreux qui ont 3 fautes. Dimitri Ranić, Jean-Philippe Daly. Du côté de Poitiers, aucun, puisque 3 joueurs ont 2 fautes et que Perigine
Seymour et Mbaye qui ne sont pas forcément starters en Laurence. Dali et Ranić presque. Hein, Dali, c'est le cas. Voilà, et deux joueurs à deux fautes pour Evreux, Zamora et Afomama. Au niveau du scoring, 17 unités pour Tickman, qui est le meilleur marqueur hébroïcien, 15 pour Jean-Philippe Dali. Et du côté de Poitiers, ils sont trois joueurs à être à 10 points ou plus, à savoir Mbaye 10, 13 Williams et 18 Keita, avec une énorme réussite à 3 points. Et on voit, on a sous nous, sous les yeux, un Eno Asirić un peu agacé. Hein. Oui, bah ça, on le sait tous. Hein. Ça manque un peu de justesse offensive. Ça fait sourire les adjoints. Allez, retour au jeu. Retour au jeu de Soria Bangoura du côté de Poitiers. Alors Mathieu Dziembaye revient sur le terrain, Antoine, avec Jean-Philippe Dali, Amadou Sidibé, Austin Tillman et Dimitri Ranić. Du côté de Poitiers, c'est Dwayne Lautier, c'est Mathis Keita, c'est, on l'a dit, Bangoura, c'est Périguine et c'est Abdoulaye Mbaye. Et c'est une réussite incroyable à 3 points. Je veux dire, là, on a des statistiques folles. Hein, puisqu'Evreux, on a aussi converti avec Dimitri Ranić, mais on avait loupé un, si je ne m'abuse, avec Austin Tillman. Ça veut dire qu'elle reste autour des 50%. Ouais, mais ça continue hein. Du côté de Poitiers, on était à 7 sur 11, on est toujours à 9, 9 sur 13 ou 9 sur 14, quelque chose comme ça. Ouais, c'est fort, hein. C'est costaud. Allez, la zone intermédiaire. Gros rebond défensif. Ouais, bien sécurisé. De Sofiane Bangoura sur ce shoot un peu court de Sintigman. ...57 partout, et peut-être que Poitiers va, pour la première fois de la rencontre, Antoine, passer devant. Exactement. Tiens, et sur un 3 points de Mathis, ce serait pas beau? Ouais, un peu court. Plus beaucoup de liens collectifs hein, du côté d'Evreux. Ouais, heureusement qu'Amadou Sidibé, le deuxième rebondeur de la division, prend ce rebond offensif et le petit panier derrière, Anthony Da Silva qui s'apprête à rentrer, parce que c'était juste. Hein. Ouais, on a du mal à se sortir des actions individuelles, à trouver d'autres solutions. Amadou Sidibé continue sa foison. Voilà, on est encore dans le dribble au milieu de tout le monde. Voilà. Ouais. Le ballon qui ne voyage plus du côté des Breux. Allez, la sortie de Steve Kingman, le retour d'Anthony Da Silva. La rentrée de Jim Seymour. Alors, à la place de qui? C'est Laurence Ekperguin, pardon, qui va céder sa place. Plus 2 pour Evreux. On l'a pas précisé, hein, mais la rencontre s'est terminée. Hein, est achevée entre Lille à domicile face à Fos à l'extérieur. Et la logique a été respecté, merci beaucoup, avec une victoire de 5 points, 80-75 pour Fos-sur-Mer à Lille. Retour d'Hakim Williams sur le terrain, en lieu et place de Mathis Keita, qui va aller prendre un peu de repos. Il souffle un peu. Oh là, il est limite à piquer ce ballon dans les mains, Dimitri Ranić. Allez, on va chercher haut du côté d'Evreux. Ça va être une autre intensité avec Djemba et Anthony Da Silva en défense, très certainement, Antoine, sur les lignes arrière, bien sûr. On va essayer de chatouiller sur le tir extérieur. Oh là, il y a Amadou Sidibé en deuxième lame. Oh oui, ben, c'est Soria Bangoura qui aura eu le dernier mot. Ouais, bon rebond offensif, belle petite claquette qui va bien pour amener son équipe à égalité, 59 partout dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Le match est extrêmement serré, comme on a l'habitude du côté d'Evreux, hein, par ailleurs. Voilà, on a retrouvé un peu. Voilà, c'est pas grave, c'est un bon tir. Amadou Sidibé, retenu par le poignet, je l'ai vu aussi. Ça a échappé aux arbitres, ce n'est pas grave, ils vont récupérer le ballon, c'est ça, tant mieux. Ça consulte hein, chez les arbitres. Ouais, mais sincèrement, il y avait une faute sur Amadou Sidibé. Hein. Je l'ai vu, il n'est pas du genre à se plaindre, mais le poignet a été retenu pour Amadou Sidibé. Ah non, elle est rendue à Poitiers. Alors là, pour le coup, il y a un petit oubli. C'est des choses qui arrivent. Hein. On est parfois, nous, à ne pas voir des éléments de jeu ou des faits de jeu que le corps arbitral, beaucoup plus proche que nous, des joueurs, bien sûr, s'emploient à juger. Mais là, en l'occurrence, c'était flagrant. Ça leur a échappé aux trois perdus. Ouais, Hakim Williams tout seul. Un mètre de la ligne, Hakim Williams. Allez, qui fait passer devant.
de 3 points. Et ce sera la dernière possession pour Évreux. Sans gros créateur sur la ligne arrière, Antoine. Hein. Parce que Diemba, Radnic, Anthony Da Silva, on fait tourner le compteur. Qu'est-ce qu'on a décidé? Ah, l'action ne va pas pouvoir se dérouler comme prévu puisque Madou Sidibé. Ouais, c'était pas bien trouvé tout ça. Non, c'est, on peut dire que c'était cacahuète hein, ouais. Cette offensive. Sans rythme. Permettez-moi l'expression, mais ça manquait de créateur aussi. On a fait tourner le chrono, mais en fait, il y a eu un élément, c'est qu'Amadou Sidibé a glissé. Je pense qu'on allait chercher. C'est un petit 11 points hein, marqué par Évreux dans ce carton. Oh, c'est faible. Je n'avais c'est pas fait attention. Faible. Et ben, ils étaient pour loin de l'encaisser. Spagnola aussi. Il y a un manque de concentration évident hein, du côté d'Évreux. Et Poitiers sanctionne à merveille. Ah, ça, c'est un 19-11 hein, dans le carton pour Poitiers qui les fait repasser devant de 3 points. Ouais, je suis ébahi. Hein. C'est vrai que je n'avais pas fait attention à cet élément. C'est un 11-19. C'est ça, Antoine, hein, si je ne m'abuse. Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est bien vu. C'est fou comme ça a été famélique offensivement ce carton pour l'ALM Basket. Au niveau du scoring, 3 joueurs à plus de 10 unités. Mbaye 10, 16 Hakim Williams, 18 Matisse Keita du côté des Vreux, 17 pour Sintinman, 15 pour Jean-Philippe Daly qui n'a pas marqué de panier dans ce troisième carton. Et une minute avant le début de ce quatrième carton, Évreux est en train de se faire piéger par les Poitevin qui ont laissé passer la tempête du premier carton, Antoine. On a fait le dos rond. Voilà. Le deuxième carton, on a commencé à montrer qu'on pouvait jouer dans l'artillon à 3 points. Et derrière, on confirme dans le troisième acte, parce qu'on rappelle qu'Évreux a gagné le premier acte, mais le deuxième et le troisième sont emportés par Poitiers, c'est très la étonnant. Clairement Poitvin. Hein. Ah là clairement, 10 sur 17 Antoine, à 3 points, 59% pour Poitiers. Quand du côté d'Évreux, on est à 47 pourtant hein, avec un 7 sur 15, qui est très honnête. Hein. 26 rebonds pour Évreux, 27 pour Poitiers, 14 passes décisives pour Poitiers, 17 pour Évreux en termes d'évaluation individuelle. Le meilleur c'est Évreux avec Amadou Sidibé, 18 Déval. Le meilleur pour Poitiers c'est 22, c'est Matisse Keita, Dimitri Rani, Jean-Philippe Daly, Anthony Da Silva, Amadou Sidibé, Mathieu Zemba pour Évreux. Ah ça c'est bien transféré. Voilà. La bonne lecture hein, sur le pick and roll. On vient fermer sur le grand. Donc forcément à l'opposé, on a de l'espace. Ça faisait un moment que Jean-Philippe Daly n'avait pas marqué du deuxième quart, je vous l'ai dit. Ouais, mais là on l'a bien trouvé, il était bien ouvert. J'ai donné les noms des joueurs hébroïciens, Hakim Williams, Jim Seymour, Bankura. Il est pas loin de récupérer ce ballon. Attention de ne pas faire la faute du côté de Jean-Philippe Daly. C'est des fois le. Oh là là, bien. Alors là, bien c'est suivi, Jim Seymour. Il s'est fait oublier. Eh hey, les gars, je suis là. Petite taquette qui va bien. Il ramène son équipe devant 64-62. 9 minutes à jouer dans le dernier quart de cette rencontre. Poitiers va-t-il obtenir sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison? Évreux qui, on l'a dit, est capable d'avoir battu Bois, Quimper, Saint-Quentin, mais qui a perdu contre Paris-Antibes quand ils n'étaient pas dans leur meilleure période. Petite fois, c'est dommage. Hein, du côté de Poitiers, on avait bien défendu. Complètement. Il manque encore un peu de mouvement hein, du côté d'Évreux quand on est non porteur de balle. On a tendance à rester un peu statique, à ne pas ouvrir d'angle de passe. Remise en jeu, ligne de fond, 14 secondes pour déclencher un shoot. Voilà, ça c'est bien trouvé avec la faute. Allez, elle est inutile celle-ci. Ouais, Soria Bangoura, il est en retard. Parfois, les joueurs sont amenés à sans trop réfléchir et tenter une faute et à essayer de se saisir du ballon. Mais des fois, il vaut mieux presque laisser passer son adversaire, quelle que soit la tunique. C'est vrai que là, ça a été un peu coquin. Par contre, il a été très bien trouvé, précisons-le aussi, par Anthony Da Silva. Voilà, deux passes décisives hein, sur les deux dernières possessions, celle pour Jean-Philippe Daly et puis celle-ci sur Amadou Sidibé. Et faire passer devant son équipe, peut-être que pour quelques instants, mais en attendant, Évreux est passé devant 65-64. C'est presque une tout-terrain, Anthony Da Silva sur Hakim Williams. On essaye de couper Hakim Williams du jeu.
On va essayer qu'il ne récupère pas le ballon. Ouais, Jim Seymour, on va venir frapper. Voilà, les bonnes rotations, les bonnes mains de Dimitri Ranić, ça on le sait. Voilà, bien trouvé sur la transition, à 3 points, Dimitri Ranić, c'est long. Et Djemba, oh le coquin oh, c'était fort hein. C'était Djemba. Fort. Ouais, mais c'était bien parce que dans la tension, il rechippe le ballon, il va provoquer la faute. Le Polonais ne s'est pas laissé prier. Hein. Ouais, ouais, ne s'est pas laissé prier. Même si c'était dans une position improbable, la possibilité pour lui d'accroître l'avance de ses coéquipiers. Je crois que c'est son deuxième panier seulement. Hein. Lui qui avait mis un panier en première mi-temps. Je dis pas de bêtises, Antoine. Non, c'est son premier panier tout court. Oui, on l'a pas beaucoup trouvé offensivement. Djemba. Allez, retour de Kevin Mendy, sortie de Jim Seymour. Le soldat pour être 20 de retour sur le terrain. Plus 3. Attention, hein, 3 fautes d'équipe. Hein, du côté de Poitiers, 0 du côté d'Evreux. Ça peut jouer. Alors tout à l'heure, très tôt, c'était l'inverse. Et ouais, les cartons ont été pour Poitiers. Est-ce que c'est un signe? On verra. Doyle Lautier. Ah, il est mal barré. Oui, c'est mal, mince. Il s'en sort bien. Dwayne Lautier, parce qu'on était venu trapper. En plus, il tournait le dos, alors il l'a pas vu arriver. 9 secondes hein, sur la possession. 8 minutes à jouer. Passage en zone du côté de... Non, on reste en indice du coup. Ouais, là, Aucune mauvaise intention. Non, non, pas du tout. Dali. Mais ouais. Est-ce qu'on a besoin de coller? Il n'a pas pris beaucoup de tirs extérieurs pour l'instant. Dwayne Lautier. C'est vrai. Peut-être plutôt lui... Lui laisser le tir extérieur. De Lautier, c'est 30% à 3 points depuis son arrivée. En 14 terre. Secondes hein, de possession, puisque la balle est en zone offensive pour Poitiers. Ouais, 8 minutes, pile poil. Et plus 3 pour Évreux. Ce n'est rien du tout dans cette belle discipline qu'est le basket. Il va être coincé. Allez, 4 secondes, attention, il va falloir déclencher. Il est fort. Ouais. Ah là, il est fort. Parce que... Alors là, il va falloir qu'on m'explique, parce que Djemba, il est resté dans son cylindre. Ah, c'est d'accord. Un peu... On va bien chercher le cylindre, il avait les bras en bas en plus. Ouais. Voilà, c'est ce que dit Neno Asiric. Ouais, il est mécontent de la décision, ouais. Neno Asiric et Matheus Djemba aussi. Oui, parce qu'il a bien retiré les bras, Djemba. Donc c'est avec le corps sur la retombée. C'est à la sensation de l'arbitre. Et... Ouais, oui. Et d'ailleurs, il se fait. Tout le monde le regarde. Genre, monsieur Asiric, détendez-vous. Le troisième arbitre qui n'a pas échangé dans le débat. Oui, mais c'est plutôt bien fait hein, du corps arbitral. On a laissé la colère de Neno Asiric. Oui, et puis surtout, on joue l'action offensive. Hein. On la voit beaucoup depuis le début de l'année. Oui, on l'a noté à plusieurs reprises. Je pense que les consignes sont nouvelles pour le corps arbitral. Ouais, oui. Et ce type de décision, où on favorise l'offensif. Premier un peu court pour qui c'est presque miraculeux parce qu'on était au dernier moment de la possibilité de shooter et Dwayne Lautier il a été finaux sur cette action et lui qui est pour l'instant à 4 unités seulement peut-être et 5 maintenant, il met 2 sur 3 et il y a toujours un petit point d'avance pour Évreux, 7-45 à jouer et encore un match un peu en deçà de Yornan Zamora qu'on aura peu vu jouer hein. Ouais. On ne serait pas étonné d'attendre qu'il est gêné. Amadou Sidibé, Farah Bangoura, attention, Bangoura, voilà, c'est costaud. C'est bien présenté, oui. Philippe Dali. Oui. Là, on va avoir la démonstration de ce qui manquait un petit peu hein, tout à l'heure à Évreux, du mouvement autour du ballon. Oui, coupé. Exactement. Et essayer de se saisir du ballon dans l'offensive. Oui, dans le bon sens, avec du rythme. Jean-Philippe Dali, qui est le meilleur marqueur de son équipe. Hein. C'est pas systématique. Lui qu'on avait découvert du côté de Denain, un joueur sympa pour preuve, hein, qui tape dans la main de Kevin Mendy. On peut vous garantir, hein, non pas que nous sommes pro-hébroïciens, en aucun cas. On est amateurs de basket et on aime juste à commenter de belles rencontres. Mais Jean-Philippe Dali, c'est du costaud, un joueur polyvalent. Un athlète capable de jumper, on l'avait découvert, je le disais, du côté de Denain. Et c'était la bonne surprise que de le voir recruté par les Hébroïciens. Jeune joueur avec beaucoup de qualité et ô combien sympathique. JP, comme est indiqué sur sa tunique et son chasuble d'entraînement et d'échauffement. 21.
plus 4 pour Ébreu. Ouais. Petit coup de presse ébreuicienne. Ah là, on va ralentir la montée du ballon pour ne laisser plus que 14 secondes de possession. Et le tout possession. Sans Austin Tigman ni Yornan Zamora, Antoine. Ah oui. Matisse Keita à 3 points. Oui, il manquait pas grand-chose. Oh, qui va laisser échapper ce ballon. Oh, c'est dommage, il aurait voulu remonter, je crois, très vite, mais il n'a pas pu. Matisse Keita, tout à l'heure, sur une deuxième position comme ça, il avait réussi à convertir. Là, est-ce qu'il va faire la même? Allez, attends, il va falloir déclencher. Oh, bah, ils sont n'ont pas parlé. Ouais, elle va être rendue à Poitiers. Moi aussi, j'aurais dit la chose. Oh, nous, on voit pas bien. apparemment. Moi aussi, j'aurais défini cette décision. Il a été surpris, Abdoulaye Mbaye, de se retrouver tout seul. Les deux défenseurs ébreuiciens ont couru à l'opposé. Il avait mis la fin de passe qui va bien aussi. Ouais, ouais. Plus voilà, toujours. On retrouve le mouvement qui a manqué tout à l'heure. Voilà. Allez, ça c'est pourtant son jardin. Jean-Philippe Dali, la zone intermédiaire. Tire après dribble. Oh là, ça bataille. Ouais. Allez, on a laissé jouer. Match serré, hein, amis supporters de Poitiers d'Évreux. Tant mieux pour le suspense, puisqu'il n'y a que 4 points d'avance. Balle pour eux, les Ébreuiciens, en l'occurrence, face à Poitiers. Voilà le 8e face au 18e. Une équipe qui est très douée à domicile, qui cadenasse, et une équipe compliquée à l'extérieur. Mais pourtant, eh ben, y a match. Et c'est ça qui retient notre attention. Ah, ça, c'est très bien trouvé de Dimitri Ranić. Après le pick and roll dans l'axe. Jean-Philippe Dali sort un gros match. Hein, ouais, mais on l'a bien trouvé. Hein. On a bien vu du côté des Vrocs que c'était l'homme à chercher ce soir. Ah, oh, là, Matteo Zimba, là, ça défend. Là, on a monté l'intensité dans les duels. Ah oui. Amadou Sidibé, ça sera sa première faute personnelle. Matisse Keita qui avait trouvé un shoot. Matisse Keita au lancer franc, pas précisé. 70%. Ouais, je l'ai dit. Premier temps. Matisse Keita qui pour moi aussi est l'homme clé ce soir pour Poitiers, mais je crois que c'est pas la première rencontre. Voilà. C'est lui qui avait ramené un peu son équipe dans le deuxième quart. Oh, il est court. Ouais, très court. Ouais, on l'a vu, hein, il est un peu déséquilibré vers l'avant. Plus 7 pour Évreux toujours, 5,48 à jouer. Voilà, quand on est mieux équilibré, c'est plus simple. Très étonnant d'entendre vous entendez tous les appuis. Hein. Jean-Philippe Dali, pourquoi pas. Il est en pleine confiance. Ben, il avait raison de le prendre. Bangoura. Un peu long. Allez, la transition du côté d'Évreux. Allez, on a bien replié. Allez, bien trouvé encore ça pour Amadou Sidibé avec la faute. Ah, celui-là, il est important comme panier. Et en fait, je crois qu'il ne fait pas faute sur Yabangoura. Je crois qu'effectivement, il touche vraiment le ballon. Sauf que c'est vrai que dans l'intention, c'est compliqué de bien gêner son adversaire sans faire la faute. Mais il me semble qu'effectivement, il touchait le ballon. Temps mort. Et la bonne rentrée d'Anthony Da Silva qui a ramené... du mouvement sur ses possessions. Petite passe, j'aime beaucoup sur au-dessus de l'épaule pour son coéquipier. Avec du rythme. Temps mort. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait elle a été signifiée à Périguine alors qu'il me semble bien que c'est Bangoura. Hein. Ah mais ça des fois, il y en a une avant de siffler, on ne l'a pas vu, les arbitres y laissent le jeu. Au niveau des marqueurs, Antoine. Allez, c'est Austin Tigman qui est à 17 points du côté ébreuicien. Il sera toujours derrière les 24 points de Jean-Philippe Dali, qui est le meilleur marqueur du match. Les 12 points d'Amadou Sidibé. 6 pour Fabien Pachal, 2 pour Zemba, Dimitri Ranić, 9. Akourmama, 2. Yornan Zamora, 3 points. Du côté de Poitiers, Omoera est à 5 points. Mbaï, 10. Hakim William, 16. Lautier, 5. Jim Seymour, 4. Saria Bangoura, 4 points. Matisse Keita, meilleur marqueur Poitvin avec ses 19 unités. Et Laurent Sekpéagui qui reste à 4 points.
75-67, on vous l'a dit, 5 minutes à jouer. Voilà, Poitiers qui affiche de belles intentions, qui est loin d'avoir rendu les armes et qui est pas loin de... et qui dérange Évreux depuis le début de la rencontre, hein, par ailleurs, qui est passé devant, d'ailleurs, à l'entame, à la fin du troisième carton. Et on ne change pas le 5 hein, du côté hébroïcien. On repart avec les mêmes hommes. Idem du côté de Poitiers. C'est vrai qu'il aurait pu avoir plus 6 hein, si Amadou Sidibé Antoine n'avait pas mis 3 points au buzzer à la fin du troisième quart. Et 75-67. 5 points seulement marqués en 5 minutes pour Poitiers, Antoine, durant ce quatrième et dernier carton. Pour l'instant. Ah oui, c'est dommage, c'était bien défendu, emporté par la jeunesse. Il avait coupé son dribble, Dwayne Lautier. Là, il s'est traîné les mains, trop d'envie. Faute d'équipe, Antoine, des deux côtés. Ouais, 4 fautes d'équipe pour Évreux, qui donc donnera des lancers francs sur ses prochaines fautes, quoi qu'il arrive. Et on est déjà à 5, on est déjà dans la pénalité du côté de Poitiers. Allez, Mathis Keita qui va jouer de vitesse non plus. Allez, attention, Kevin Mendy, il va falloir déclencher. Ça va être difficile, vous voyez. Au buzzer pour Mathis Keita, il n'était pas simple. Moins de réussite pour lui, il a peut-être laissé un peu d'énergie. Hein. Il a beaucoup joué, Mathis Keita. Oh, et le petit flotteur. Oh, pas de chance, Anthony. Où ça repart à fond, Dwayne Lautier là. Ouh là là, ouh là là. Il coupe son dribble, Dwayne Lautier, un peu trop rapidement. Il attrape tout de suite sur le poste bas. La sortie d'Amadou Sidibé un peu difficile. Kevin Mehdi à 3 points. Ouais, mais c'est bien trouvé. Mais c'est bien trouvé. Ouais, très bien trouvé par Mathis Keita. Ouais. Qui s'est dit bah, je suis en déficit d'adresse à l'extérieur. Je vais trouver mon coéquipier. Il était sur 0 sur 2, Kevin Mehdi. Et ben il met le troisième. Et filoche. Hein. Il n'y avait pas d'hésitation. Hein. Ça, il aime bien normalement. Aussi court. Il a coupé. Oui, on l'a vu. Hein. C'était très très court. C'est dommage pour Amadou Sidibé et pour Évreux. Et regardez Hakim Williams. Et tranquille voilà, sur la transition, Hakim Williams. Le 184 cm ouais. Qui se faufile et qui met le petit coup de poignet là en l'air. On n'a pas bien replié du côté d'Evreux. Hakim Williams, il avait tout vu. Et en deux actions de temps, il y avait plus 7, il y a plus 2. Plus 3. Plus 3, pardon. Il y avait plus 8. Puisqu'il y a eu un panier à 3 points de Kevin Mendy, un 2 points à l'instant d'Hakim Williams. Temps mort et retour d'Austin Tingman hein, sur le ouais, terrain. Alors j'allais dire, on n'a pas vu Austin Tingman depuis un moment. Dylan Infomama, on l'a pas vu depuis un moment. Yornan Zamora, je suis curieux de voir son temps de jeu. Il a été 17 minutes, c'est pas commun. Il y a des petites choses qu'on ne sait pas là sur l'effectif amicaliste. Et effectivement, voilà, la répétition des rencontres doit faire en sorte que voilà, les corps de ces athlètes sont mis à rude épreuve, bah on les préserve un peu et on fait jouer la jeunesse. Il y a match et ça c'est fort. Voilà, on est content, 75-72, la balle sera dans les mains des Hébroïciens. Il reste 3,46 à jouer et je suis incapable, et Antoine je peux te poser la question, tu es incapable de me dire qui va l'emporter ce soir. Si. Une des deux équipes. Un panier de plus risque de l'emporter. Et l'une des deux équipes. Voilà. On va pas se mouiller. Non. Ouais, Austin Tidman, Amadou Sidibé, Jean-Philippe Daly, Yornan Zamora, tiens, qui est re-rentré, Dimitri Ranić. Pour Évreux, Kevin Mendy, Mathis Keita, Dwayne Lautier, Ekperiguin et Hakim Williams. Ça, on a sorti les 5. Hein. La sortie du lourd, hein, des deux côtés. Les joueurs expérimentés, les joueurs à caractère, les joueurs avec beaucoup de qualité. Oh, il va le prendre, je vous le dis tout de suite, ça faisait un moment. Un peu à droite, ça se voyait. Gros rebond défensif de Mathis Keita. Je crois que c'est sa première tentative à 3 points, Antoine, de Yornan Zamora. Je suis même certain. Ah, il y a encore un layup. Ah, Mathis Keita. Mais Mathis Keita. Sur le premier pas. Mathis Keita, s'il vous plaît. 21 pions. Ah, c'est le... C'est l'homme du match, hein, si Poitiers l'emporte ce soir. Clairement, il n'y aura pas photo. Il aura été aidé par des... voilà, aussi Timan, voilà. Il oublie le ballon. On recommence à beaucoup dribbler. Ouais. Allez, c'est un peu tout fou, ces deux dernières possessions. Est-ce qu'on va se calmer? Heureusement, Dimitri Ranić a arraché pour défendre sur Hakim Williams, qui aurait pu prétendre à quelque chose, d'ailleurs. Ouais, mais
là, s'il n'y a plus de mouvement et qu'on laisse Austin Tingman dribbler pendant 2 heures. Ouais. Ouais, Dimitri Ranić à 3 points. C'est pas très bien posé. Ouais, ça. Et là, c'est. Ouais. Il ne met pas dedans Dwayne Lautier, c'est dommage. Ah, c'est fou ce qu'on voit depuis quelques instants, Antoine. Hein. On dirait que les équipes ont trouillé au matasement, en tout cas presque plus hébreux pour le coup, puisque Poitiers n'a rien à perdre. Voilà, on le rappelle, une victoire à l'extérieur sur 10 rencontres. Et c'est presque Évreux qui semble avoir un peu une forme de trouillomètre à zéro. Alors je peux me tromper, j'espère pas. Je ne veux en aucun cas leur manquer de respect à ces athlètes qui enchaînent les rencontres. Mais Dwayne Lautier, il ramène son équipe à égalité. 75 partout, il reste de 23 à jouer. Aïe, 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 scénario Hitchcockien une fois de plus dans cette salle. Dwayne Lautier pour passer devant. Hermadou Sidibé. Alors là, franchement, je ne sais pas de quel côté ça va pencher, mais ce qui est sûr, c'est que cette rencontre nous offre un scénario une fois de plus de dingue. Et on préfère des matchs serrés où les équipes se jouent coude à coude plutôt que bien sûr une équipe qui prend et mène les débats de loin. Ouais, juste au buzzer, hein. On a été, la relation 1-5, ouais. Déjà évoquée, Antoine, par tes... On a été très loin dans la possession. Évreux qui reprend l'ascendant pour quelques instants, très certainement. Ouais, en déroulant bien le système. Hein, Dwayne Lautier. Ah, à 3 points, c'était long. Ouais, on l'a vu partir pas bien droit. Une 30 à jouer, plus 2 pour Évreux. Ballon dans les mains du meneur américain Austin Tingman, qui n'avait pas démarré la saison du côté d'Évreux, qui par contre resserre son coéquipier. Ouais, malheureusement, il ne veut plus attaquer le cercle, Amadou Sidibé. Un peu court sur sa gestuelle. Il préfère se reposer sur son tir externe. Intermédiaire. Oh, contré par Hernan Zamora. 8 secondes sur la possession. Il va falloir prendre Kevin Mendy. C'est long. Ouais, Bien récupéré pour Hernan Zamora. Attention, dernière minute, plus 2. Hernan Zamora, on l'a pas beaucoup vu en attaque, mais entre le Raymond défensif tout à l'heure qui a provoqué une faute, ouais. Et puis là, le petit contre sur Hakim Williams. Et puis là, il va se charger de la création, Antoine, sur Spaniela. Allez, Hernan Zamora, zone intermédiaire. Oh, Jean-Philippe Daly qui était monté très haut. Oh, il y a match parce qu'il y a que 2 points d'avance. Il suffit d'un 3 et ça plie le game. Oh là, il y a une portée. Il n'y a pas de portée, Antoine. Ah, non, il avait pas mis la main en dessous. Pas de souci. Oh, 3 points! Dwayne Lautier, il aurait même pu obtenir la faute pour un peu. 32 secondes alors, à jouer. Franchement, il s'est laissé pencher en arrière. Devant. Il s'est laissé pencher en arrière, mais alors, respect à lui pour ce 3 points ficelle dans le corner qui permet à son équipe de repasser devant. Et là, ça veut dire que psychologiquement, Poitiers a pris l'ascendant parce qu'il y aura certes une offensive hébroïcienne, mais derrière, ils récupéreront le ballon. Exactement. Donc, il n'y a rien de fait. Wow. Les équipes sont dans la pénalité, donc la moindre faute Antoine, donnera 2 lancers francs, donc il va falloir faire des stops. Dwayne Lautier, alors je regarde à 3 points, c'était 0 tir tenté durant les 3 premiers cartons, et là il a 1 sur 2 puisqu'il en a tenté un il y a 2 minutes, c'est ça Antoine? Oui, mais il n'avait pas trop de choix de le tenter. Il était déterminé, hein, Dwayne Lautier. 9 unités, c'est juste fou ce qu'on est en train de vivre. 77-78, 32 secondes à jouer, je vous l'ai dit. Ça veut dire que clairement, Poitiers va avoir la balle de la gagne derrière. Et du coup, c'est Dwayne Lautier qu'on remet sur le terrain. C'est les mêmes 5, hein, du côté de Poitiers. Keita, Lautier, Hakim Williams, ouais. Ekperguin, pardon, et Kevin Mendy, Jean-Philippe Daly, Sidibé, Austin Tillman, Radic, Zamora. C'est eux qui finiront la rencontre pour Évreux. Il y a des chances. Allez, un stop à faire, hein, pour Poitiers. Et puis, scoré, hein, du côté d'Évreux. En cherchant à être agressif. Parce que Poitiers est dans la pénalité aussi. Alors là, elle est importante, cette offensive amicaliste. Ouais, Jean-Philippe Daly. Sur la zone intermédiaire, c'est dedans. Voilà. Là déjà, offensivement, Évreux a fait le boulot, Antoine.
Oui, elle a été loin dans la possession en plus. Pour le coup, elle a fait le boulot. Par contre, elle repasse devant, c'est sûr. Mais 16 secondes pour déclencher un shoot et mettre en place une combinaison offensive pour Poitiers qui vient de demander un temps mort. Oui. N'est-ce pas là extrêmement suffisant pour derrière Ah bah il y a du temps, là on a, il n'y a pas le temps au lac hein, pour Poitiers. Alors où est-ce qu'on va récupérer cette possession? Il y a des chances sous le panier de Poitiers. Afin d'aller peut-être au bout de la possession. Meilleur marqueur là on contre hein, Jean-Philippe Dalli avec 26 unités. Et en face c'est Matisse Keita. Clairement, ce sera si Poitiers l'emporte, Matisse Keita, le MVP honorable de cette rencontre. Et Jean-Philippe Dalli pour Évreux, clairement, si la victoire penche du côté hébreuicien à domicile. En tout cas, Antoine, ce n'est pas la première fois de la saison que ça se joue dans un mouchoir de poche. Ouais, voilà, c'est même pas un mouchoir. Hein, c'est un quart de Kleenex. C'est une boule de papier. Oui, on avait vu une prolongation hein, contre Souffel Verachheim avec ce fantastique comeback. Ouais, revenir de 17 points en 7 minutes. Ouais, c'était énorme. Arracher la prolongation et malheureusement finir un peu court. Allez, 14 secondes de possession, donc il restera 2 secondes à Évreux. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'ils ont décidé de reprendre derrière, oui. On rappelle cette règle-là. Hakim Williams qui a le ballon. Hein. Ouh. Oh, il l'a piqué. Non, il l'avait Kim piqué. Williams, Matisse Keita, 3 points pour la gagne. Oh, non. Oh, 6 secondes à jouer. Oh, c'est énorme. Plus de temps mort hein, du côté d'Évreux, il va falloir aller prendre. Allez, Hernan Zamora. 3 secondes au buzzer, c'est long. Là, oh, oh, c'est énorme. Oh, Madou Tilima. C'est énorme, les pauvres quoi de dire. Pour l'égalisation. Oh, les pauvres. Ah, c'est clair, elle est dans le temps. Je vous le dis tout de suite. Ouais, elle, ouais. Elle est dans le temps. Ah, ils peuvent aller vérifier. Non, vidéo. Non, mais j'en suis sûr. Oui, oui, ouais. Pas de souci. Il n'y a aucun souci. Par contre, ah, oh là là, je suis. Il faut peut-être autre chose. Je suis parti malheureux pour Poitiers, mais on va voir ce que ça décide. Là, je ne comprends pas la décision à dire ou à voir. Moi, pour moi, elle est déclenchée dans le temps, la claquette. Oui, oui, non, non, il n'y aura pas de souci. Ça va être vérifié à la vidéo. Antoine, quelle action dingue, parce que Matisse Keita a un 3 points énorme. Énorme, énorme. Non, mais Antoine, ils n'étaient pas bien embarqués à Hakim Williams. C'était à la limite de perdre ce ballon. Derrière, on a Yornan Zamora qui remonte le terrain à toute vitesse. Il avait 6 secondes, il déclenche un shoot, il fait un shoot casse-croûte. Oui. Et Amadou Sidibé, il arrive, petite claquette. C'est un bon résumé. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre-là? Qui est devant? Parce que le panier n'est toujours pas accordé, Antoine. Ça veut dire que s'il est accordé, c'est prolongation. Oui, oui. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. J'en ai perdu mon langage. J'en ai perdu mon souffle. J'ai perdu quoi, vous supporter de basket. J'espère juste qu'on va aller en prolongation, qu'on va s'offrir 5 minutes de rab. Voilà, de beau basket. Je suis désolé pour vous. Vous êtes privé. Ouais, le panier est accordé. Voilà, et prolongation. Et ça, c'est une bonne chose pour vous, amateurs de basket. Il y a du bonus. Ouh là là! Ouh là là, Antoine! Je ne sais plus quoi vous dire tant là, il s'est passé de choses en 14 secondes. Alors, comment on va repartir dans cette prolongation? Parce que là, il va y avoir la gestion de la frustration hein, pour Poitiers. Ça ne va pas être simple d'avoir laissé échapper ce dernier... qui est presque pas un rebond hein, parce qu'il y avait airball de Yornan Zamora. Le premier panier est toujours très important en prolongation, le premier qui marque. Ouais, et 5 minutes ça va limite. Hein. Et Matisse Keita qui joue encore beaucoup. Alors là, il est énorme dans ce match, Matisse Keita. Oh là là, c'est du très fort des deux côtés du terrain. Là c'est. On a vu des actions de jeu dingue, un scénario fou quoi, parce que le 3 points il est magnifique et il fait ficelle. Il n'y a pas de. Il a, le ballon a rebondi une fois, deux fois, un peu de chance, un petit peu de réussite, même s'il l'aurait mérité. Là, no souci. C'était flash Matisse Keita, s'il vous plaît, à 3 points. 2 points d'avance. Et puis derrière, une claquette de dingue d'Amadou Sidibé. Et Amadou Sidibé, je vous annonce, c'est 16 rebonds. Hein. Donc ah, c'est, quand même. C'est l'aspirateur hein, ce soir. Ah là pour le coup oui. On est reparti avec les 5 qui ont fini la rencontre. Hein. Kevin Mendy, il en a mis un tout à l'heure. Un peu court sur ce shoot à 3 points. Quel match de fou Antoine encore nous vivons. J'espère que vous appréciez aussi, que vous prenez votre pied, vos phalanges, votre coude, votre épaule. Peu importe, ce qui est sûr c'est qu'on voit du beau basket et on est ravis de voir cela
et de vous en faire profiter. Enfin, merci surtout aux acteurs. Madou Sidi. Ah ben non, mais ça, c'est parce qu'il voulait gonfler ses stats au rebond. Voilà, Madou Sidi B. Le filou. Un oubli fou, là. Parce que, très honnêtement, Hakim Williams, il sait ça dans le coin. Oh bah, oui, ouais. Ça, c'est pas un problème. Ouais, et le corner gauche pour Hakim Williams. Le premier panier est là, alors qu'Amadou Sidi B avait fait le plus dur. Il avait été trouvé dans la raquette par Jean-Philippe Dali. Il avait le plus simple à faire, pas grand-chose. Il se retourne, il était peut-être trop sous le panier, en fait, Antoine. Oui, et puis peut-être un peu de fatigue aussi. Jean-Philippe Dali répond bien à contrer hein, par Laurent Sekpereguine. Non, pas bien, énormément contré. Allez, va. Oh, ficelle, pas ficelle. Oh là, la Poitiers prend l'ascendant. Ouais. Et là, attention. Oh là là de ne pas laisser deux possessions pour Évreux. Voilà, l'avantage de taille de Mathis Keita. Faute, donc lancé franc. Il s'est bien aimé aider de son physique, Mathis Keita, et je pense pas qu'il avait intention de faire faute. Dimitri Ranić lui rend quelques centimètres et du coup, le ballon lui est arrivé dans le coude. Et du coup, il a lancé franc. Non. Oui, bah c'est normal, dans la pénalité. Hein. Les deux équipes sont dans la pénalité puisqu'on conserve les fautes de la dernière période. Merci de leur préciser, bien vu. Et là, c'est 4 points d'avance, Antoine. Hein. Deux possessions. Hein. Retour d'Anthony Da Silva sur le terrain, en lieu et place de Yornan Zamora, du côté d'Evreux. On maintient la confiance du côté de Poitiers. Plus 5, c'est beaucoup. De base. C'est beaucoup quand il reste 3,40 à jouer. Oui. C'est même un des plus gros écarts hein, du côté de Poitiers. Peut-être le plus gros, Antoine. Ouais, oui. Bien vu. Et peut-être bien au meilleur moment. Ah, et là, peut-être un choix quelque peu précipité de Lautier qui fait tourner le ballon. Il a raison de faire tourner, circuler. On n'a plus besoin de jouer trop vite. Non, le chrono est en faveur des Poitevins. Il a raison, Dwayne Lautier, de ne pas s'être enflammé, avoir fait un petit layup un peu forcé. On va chercher l'expérience de Mathis Keita. Et Hakim Williams à 3 points. Oh, Kevin Mendy, le rebond offensif. Ça, c'est tout bénef. Alors là, Poitiers prend un ascendant fort. Là, Dwayne Lautier, tant pis pour lui, malheureusement pour lui, que vous direz, vous pensez ce que vous voulez. Mais aurait pu tuer le match, en tout cas Kim Williams aussi. Allez, Jean-Philippe Dali. Ah là, c'est pas la réussite pour Evreux. Madou Sidibé toujours. Ah bah voilà, retour. Le layup, c'est plus simple. Et on remet Evreux à 3 dans le match. Quel match fou une fois de plus que nous vivons, que vous vivez et que ces joueurs nous offrent. Alors qu'ils enchaînent les rencontres. Attends, il va falloir monter. Mathis Keita sur l'horloge. 2 secondes à jouer. Sur la possession. Bien défendu d'Evreux. Attention, Dimitri Ranić qui en oublie le ballon. Il est où ? 2 minutes à jouer. -3 pour Evreux. Quelle rencontre. Quel suspense. Quel scénario va se dessiner devant nous. Oh, il a oublié Dimitri Ranić qui était tout seul. Il met dedans Stickman. Alors là. Bah, il a bien fait de l'oublier. Alors là, il a fait le coquin au meilleur moment du match, le Rustine. Retour au jeu de Dylan Afomama en lieu et place d'Anthony Da Silva. Et lui qu'on n'a pas vu depuis au moins 2 cartons, Antoine. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il ait joué de la deuxième mi-temps. Hein. Dylan Afomama, c'est combien de temps de jeu? Je vous le dis tout de suite. 13 minutes hein, pour l'instant. Allez, pour l'égalisation. Et ben voilà, ça revenu. Pas tremblé. Il y avait plus 5. Il reste 1,50. Il y a égalité parfaite. 86 partout. Match de dingue. Match ô combien plaisant. Alors là, il faut être. Attention, il va falloir créer. Là, Mathis Keita, 6 secondes. Il va lever la main du côté de Sidibé. Kereguine, il est présent au rebond offensif. Lawrence au rebond offensif. Et ouais, comme et on change sur l'écran et que Amadou Sidibé se retrouve loin du cercle, forcément, il faut verrouiller plus fort. Oh là là, bien joué Poitiers, parce qu'en fait. La perte de balle et repli défensif inexistant. On laisse partir dans son dos. Inexistant. Absent ou néant, comme vous l'entendez. Mais alors là, gros oubli défensif d'Evreux.
Bonne lecture de jeu d'Ekpergin qui au final là est déterminant là. Déterminant sur les deux côtés. Hein, parce ouais, que ouais, là, le panier, le rebond, enfin le panier. Là-bas, la petite interception qui va bien. Et il y avait égalité parfaite. Et du coup, il y a plus 4. Voilà. On va rentrer dans la dernière minute. Allez, du côté de Poitiers, faire un stop et on sera déjà pas mal. Match fou. Hein. Quand on sait qu'au début de la rencontre, il y avait 17 points marqués pour Poitiers après un carton. Là, ils sont à 90. Wouh ! 5 points pour Omuera qui démarre ce soir sous les couleurs Poitvines. Mbaye 10, 3 Mendy, 21 Williams. Je vous l'ai dit, 20 points Williams, c'était face à Lille. Il l'avait emporté. Et contre Quimper, avant de marquer que 49 points, il n'avait pas les mêmes statistiques. 11 pour Lautier, 4 pour Seymour, 4 pour Bangoura, 26 pour Matisse Keita. Wow, le match de mammouth. 6 pour Ekpergin, qui se rappelle au bon souvenir de la division dans les meilleurs instants. Oui, parce que c'est 9 rebonds. Hein, après 6, 20 points Tigman, 1 pour Zamora, 2 pour Afomaman, 9 Radnic, 2 Zemba, 6 Pachal, 18 Sidibé, 28 Jean-Philippe Dali. Wouh, 14 secondes pour Évreux. Ils avaient combien de cartons, Antoine, dans une overtime les deux équipes? C'est deux cartons? C'est un carton? Un, pardon, temps mort. Ah oui, un seul temps mort, bien sûr. Alors là, il est très important de convertir ce panier pour Évreux. S'ils veulent rester dans le match. Allez, Dali à 3 points, un peu à gauche. Ah, le pauvre. Et on ne pourra pas lui en vouloir, lui qui a maintenu son équipe aussi devant pendant longtemps. Et là, Poitiers qui a clairement les cartes en main. Là, parce ouais, que deux heures. Ils vont faire un stop, ils l'ont fait. Aller longtemps dans la possession, jusqu'au bout. Oh, Stutterman, un peu trop facile sur cette lecture. Ouais, alors là, c'est incroyable son double appui là. Ouais, à 3 contre 1, on va au bout. Ouais, mais c'est fort parce que mine de rien. Interception. Ouais, hein, ça c'est. Allez, attention à passer cette ligne. Dwayne Lautier, attention à ça. Allez, on s'en sort bien. 37 secondes, Antoine, 2 points d'avance. On donne le ballon à Kim Williams qui va forcément dégainer. Oh, attention, allez, on va aller chercher 8. La faute. Oh, le panier, il est important. Allez, Antoine. Le 1 contre 1 à Kim Williams. Voilà, s'il plante celui-là, c'est fini. La montée, maintenant. Court. Oh, le pauvre Gamel, il avait mis dans le vent Dimitri Ranić. Il y aura la balle ou d'égalisation ou de match. Ou de la deuxième prolongation. Voilà, là, c'est quoi ça? Allez, qu'est-ce qu'on va aller chercher du côté d'Evreux? On va aller au bout de la prolongation, de la possession, pardon. Ouais, et ben voilà. Et ben c'est fini. On a mal trouvé. Voilà, on a été trop loin. Et cette balle perdue sera fatidique, cette balle perdue d'Austin Tigman. Alors là, bravo Poitiers. Ouais, alors est là, allé la chercher, qui s'est bien remis de cette claquette au buzzer et qui a été chercher cette victoire avec les tripes. Alors là, je vous dis chapeau bas Poitiers, parce que 90-88 à Évreux, qui a cogné Blois, qui a cogné Quimper, qui a cogné Saint-Quentin et qui, face à des adverses peut-être plus à leur portée, malheureusement, n'a pas joué son basket pleinement. On pense à Antibes avec son joueur américain signé 5 ans qui a fait 3 matchs et qui était une parodie de joueur de basket. Un plot. On pense à Paris qui n'était pas encore très bien dans sa saison et qui s'est imposé à Évreux. Et on pense à Poitiers, dernier de la division, qui vient s'imposer en terre ébreuissienne. Oui, on avait dit hein, que pour Poitiers, il n'y avait rien qui était fait. Hein.